Salut les petits! Eh ben voilà, c'est parti! Petite sortie sur Banyuls. Ah ouais, c'est Adrien? Il est terrible celui-là! Il est récupérable! David qui arrête pas de faire des vidéos à long, à large du bateau. Il aime le bateau, hein, il l'aime, hein, hein, tu l'aimes, hein. Il est bien. Hein, il est bien. Et VV qui a changé sa combinaison Maria au profil d'une combinaison Crécy. Voilà, ça c'est fait. C'est fait. Voilà. Voilà, c'est bien. Bon, bah écoutez, allez, on va partir par cette belle journée. Et on va essayer de voir s'il y a un peu de poisson. Mais bon, je sais pas, cette année, je sais pas pourquoi, c'est difficile. Alors, on a quand même un beau paysage, c'est quand même un beau Banyuls. Hein. Franchement, c'est magnifique. Hein. Y a pas à chier. Bon, ben comment dire, la mer est calme. Regardez comme c'est beau le paysage. Cabo de Creus. À 30 nœuds, à 5, sur une mer d'huile. C'est pas le top, ça? Hein? On est pas bien là? C'est une bombe, ce bateau. C'est superbe. Bon, espérons qu'on va trouver un peu le poisson. On verra bien. Forza! Je tire qu'une fois, hein. Je vais aussi 15, je peux pas le tirer. Moi je peux pas descendre, j'ai mal à l'oreille. Il y avait quoi au fond? Droitier, c'est jamais. Moi c'est vrai, c'est 1 kg et quelques. Ah ouais, moi aussi pareil, c'est jamais. Et de l'eau de 1 kg et quelques. Oh. 3 grammes de fusil, je peux pas pêcher. Tu peux pas pêcher? C'est impossible. C'est vrai? Là j'ai une otite de fou, et à chaque fois que je décompresse, ça me fait trop mal. Bon, mais pour moi la pêche est finie. Une apnée, pêche finie, voilà. Ouais, je vais essayer de faire de la culotte au bord, mais bon, ici. Écoute, je vais essayer de te positionner sur les bonnes pierres et puis tu verras bien si tu arrives à faire du poisson. C'est vraiment désert. C'est vrai. Ah, il a revu les céréoles, Adrien, ouais. Et une quarantaine, hein. Dans le courant, là, juste là. Et toi, qu'est-ce que t'as fait, David? Tu m'as tiré mes poissons pour mon chat. Ah, mon chat va pas manger, parce que quand j'ai une otite, je peux pas aller dans l'eau. Qu'est-ce que t'as fait pour mon chat? Des vieilles. T'as tiré des vieilles pour mon chat. Oh, c'est un amour, ce David. Heureusement qu'il y en a qui passe à mon chat. Hein. Ah oui, bah c'est bon, hein. Ne tire plus, c'est bon. J'en ai assez pour mon chat. Hein. Parfait. Nickel chrome. C'est qui a fait le sarang? C'est toi? C'est bébé qui a tiré le sarang? Bon, mon chat va se régaler. Je pense qu'il a tiré pour mon chat. Je vais essayer de l'attraper. Vas-y, attrape-le!
Il est parti t'échapper, hein. Il est parti, le pauvre. On lui a foutu la frousse de sa vie. Elle va tirer le fusil. C'est vrai? Oui, oui, oui. Ça a décollé. Oui, je te le jure. Elle est devant rien que le fusil. Ouais. Elle est bonne quand même. Elle est correcte. Merci David. Alors raconte-moi un peu, Adrien, ce qui t'est arrivé sur cette bostelle. Montre-la-nous. Montre-la nous, parce que enfin on fait un peu de poisson à force, un poisson par-ci, un poisson par-là, un zar par-ci, une mostelle par-là. Déjà, on l'a mis. Alors déjà quoi, 30 minutes pour pouvoir la tirer. Combien? 20 ou 30 minutes. 30 minutes pour la tirer. Pour la tirer, oui. Et donc on a réussi à avoir un angle de tir, je la tire par là. Et là elle me fait un démarrage, elle me prend le fusil, elle me sort le fusil par l'autre côté. Elle t'a volé le fusil. Elle a volé le fusil complètement. Ils vont pas te croire. Mais jamais on te croira. Tu l'as filmé? Oui, oui, oui. Ah, c'est énorme. Mais en fait, j'ai eu du cul qu'en plus on récupère. L'a récupéré de l'autre côté, quoi. Côté, ouais. Bon, bah écoute, correct, hein. Poisson correct. Au final, on commence à faire quelques poissons. C'est pas monstrueux, mais bon, ça va. Hervé, ça va? Oui, on a marre, Hervé est fatigué. Et Paco, comment il va? Ça va. Ça va? Ça va. Et David? Ça va. Et moi, j'en ai plein le cul. Enfin, j'arrive un peu à passer. Après 4 heures de tentative, ça y est, je passe. Alors, je vais essayer d'en profiter encore un peu. Allez, les petits. Là, il est pris à ras, hein. Voilà François. Voilà. Ouais, François, il a fait une petite pêche. Alors, une petite buge, bien sûr, pour le chat Stéphane. Ah, enfin, il passe à moi. Ouh. Et un barracuda. Voilà. Le premier de l'année pour mon petit François. Voilà, voilà. Yeah. De la surface. De la surface. Eh ben, belle pièce. Je vous dirai pas pourquoi. T'avais sorti quoi? Ta quéquette? Comme l'heure? Ah, belle pièce, bravo. Alors pourquoi, dis-moi? Il tournait autour du mulet? Ah ouais, il était dans le courant. Ah ouais, d'accord. Mais il y voit que d'un œil. Ah, tu as pu t'en approcher tranquille alors. Ah. Excellent, excellent. Bah c'est bien, allez François, tu sauves l'honneur aujourd'hui, hein. Ah, merci pour la muge, hein. Ben ouais, cool. Pensez au chat. Ah oui, il faut penser à mon chat, hein. Vous n'avez pas le droit de venir sur mon bateau si vous ne pensez pas au chat. Ah, beau petit barracuda. Ah ouais, il est aveugle. Ah ouais. Eh ben écoute, t'as abrégé sa vie d'aveugle. Voilà. Belle connotte, belle connotte. Bon, on est rentré enfin, on va vous présenter le poisson. Bon alors, David, sors le poisson de la maille. Et sort le poisson. Bon allez, voilà. Allez. Barra, vieille, mostelle, muge, sar. Ça c'est à moi ça. C'est pas bien lourd, hein. Et alors François, qu'est-ce que tu fous les pieds dans la maille? Il y a un top. Ah, encore un crini. Encore un
et un corossard, c'est tout. Et Rouget, un Rouget, voilà. Et il y a le sarac, il a fait pour le chat. Ah, laisse pour le chat. Voilà notre petite pêche de la journée. Bon, ça fait pas lourd, hein. On en convient. Hein. Ah, et le saran pour le chat. Hein. Donc voilà, ça fait pas bien lourd, mais bon, on s'est régalé. Vous êtes tous régalés? Ouais, ça va. C'est sympa. Bonne cool. Bébé, deuxième mise à l'eau. Allez. Salut les petits. À la prochaine. Yeah. D'arriver sur le port de Banyuls. On rencontre alors allez les prénoms. Adrien hein, Florian. Et Florian, deux admirateurs des vidéos. Ouais. Donc ben salut les petits hein, comme on dit. Hein. Vous voulez voir le poisson? Allez. Ouais. Tiens François. En Algérie, non. Stéphane, t'es allé en Algérie toi déjà? Non. Bon. Allez François, il fait un petit bar. Hein. Il a un sac, quelque chose? Ben non, je vais mettre dans la caisse. Postel, Adrien, il a marqué le fusil. Celui qui a l'ancien patron de mer. Et vous habitez où? Bonjour, Banyuls. À plus. Ouais. Wow, c'est un pays de prédilection là, c'est facile là, de devenir un champion là. Hein. Allez. Allez, salut les petits, à plus. Bonjour, les gars.